Bonjour et bienvenue sur netprof.fr. Ce cours a pour objectif de vous faire découvrir les origines d'une expression de la langue française, et plus particulièrement l'expression « le repos du guerrier ». Alors commençons par une petite définition. Le repos du guerrier est une expression fortement sexiste qui désigne la femme en tant qu'objet de délassement pour un homme après ses activités viriles. Et le délassement a un sous-entendu fortement sexuel. Quelles sont les origines de cette expression ? Si cette vision machiste des relations hommes-femmes est malheureusement largement partagée entre les différentes cultures et les époques de l'humanité, l'expression, elle, date du début du XIXe siècle. Et on retrouve une paraphrase, par exemple, chez Nietzsche, dans Ainsi parlait Zarathoustra de 1885, où le philosophe allemand fait dire à Zarathoustra « L'homme doit être élevé pour la guerre et la femme pour le délassement du guerrier ». L'origine de cette expression est donc très simple. Il s'agit en fait d'une métonymie, c'est-à-dire que la femme n'est pas définie comme un individu à part entière, mais elle est désignée par sa seule fonction auprès de l'homme, qui est, lui, l'individu qui compte, l'individu important. Cet homme dont l'activité principale a longtemps été de guerroyer, et que l'on désigne donc comme étant un guerrier. Et à son retour, il était naturel pour ce guerrier de trouver son épouse, dédiée uniquement à son plaisir et à son délassement, à son repos. Bref, il lui était naturel de retrouver à la maison le repos du guerrier. Nous pouvons conclure en disant que ce terme, d'ailleurs, « repos », démontre bien que ce guerrier, aussi machiste et valeureux qu'il puisse être sur le champ de bataille, ne devait pas avoir énormément d'ardeur pour satisfaire les désirs de son épouse. Merci d'avoir suivi ce cours. N'hésitez pas à partir à la découverte des origines de nombreuses autres expressions de la langue française sur netprof.fr. Vous pourrez notamment retrouver les autres cours que j'ai mis en ligne sur le sujet en cliquant sur ce lien avec mon prénom qui va apparaître juste sous la vidéo dès qu'elle sera terminée. Je vous dis donc à tout de suite sur netprof.fr.